The Ward News. Ces gens rigolent tout le temps. Je vous jure, je les ai pas drogués, hein. Mais je ne sais pas pourquoi là ils rigolent tout le temps. C'est parce qu'on a Grumpy Thunder avec nous, alors il est toujours marrant celui-là. C'est vrai. Mais j'ai rien fait là. Je suis innocent. Ça le balance comme ça. Écoutez, moi je sais pas. Moi j'y suis pour rien. Hein. Moi j'ai rien fait. Je sais pas. J'aime bien se défausse quand même. Genre, au cas où. J'ai rien fait. Bah là pour le coup j'ai rien fait. Mais les gens rigolent tout le temps. Ah, j'aurais pu aussi essayer. On est content d'être là. En plus, tu sais bien que j'aime bien quand je suis avec Sander, ça nous rappelle de mon souvenir. Mmh. Bah oui, parce que tous les deux, vous avez été à MangaCast. Oui, on a fait MangaCast ensemble. Vous avez fait MangaCast ensemble tous les deux. C'est pour ça que voilà, je remets dans le contexte. Quel est leur lien? Sont-ils cousins? On est de la même famille, en fait. Ne le savez pas, c'est moi. Je recrée des liens familiaux. La première news dont je voulais vous parler... C'est pour faire écho à une des news dont j'ai parlé ce vendredi, à savoir l'arrivée de l'application manga.io qui donc arrive le 11 octobre. Donc c'était hier, voilà, c'est arrivé hier. Vous pouvez la retrouver du coup sur Google Play ainsi que sur l'App Store. Et une des grandes nouveautés qui a été annoncée également au moment du lancement, c'est le catalogue de manga.io qui s'agrandit. Je vous rappelle que c'est donc une application maintenant et une plateforme web bien évidemment qui fonctionne par abonnement. Vous payez tous les mois une certaine quantité et vous pouvez accéder à l'intégralité du catalogue. Il y a donc déjà plusieurs éditeurs qui se sont positionnés dessus, comme Naban, comme Nazca, beaucoup de N, dis donc, c'est marrant. Il y a Kiun qui vient d'arriver très très récemment. Vous avez également du Black Box, beaucoup beaucoup en masse dans l'application et donc dans Akata le catalogue. Aussi. Il y a Akata, c'est la nouveauté, c'est Akata qui donc annonce avec Manga.io leur collaboration. Et donc vous avez ici les titres qui vont arriver incessamment sous peu. Et ça commence aujourd'hui avec l'arrivée des deux premiers tomes de Orange, un excellent titre pour le coup, et ensuite ça va continuer avec une publication toutes les semaines de deux nouveaux chapitres. Même chose pour Le mari de mon frère, qui va fonctionner sur le même système, qui débarque à partir du 15 octobre. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka le 16. La métamorphose, pour le coup, je n'ai même pas lu celui-là, du coup, je suis intriguée. Ouais. Le 17, pareil, c'est le seul que j'ai pas lu, je crois. Lady Boy vs Yakuza, l'île du désespoir. Donc, pareil, avec les deux premiers tomes d'un coup, puis après, tac, 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 on déverse doucement dans l'application. Be Yourself, Our Colorful Days, Un printemps dans les étoiles. Bast Up Brothers, qui s'est terminé, je crois d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Oui, dans l'intimité de Marie. Et enfin, Kusakabe et moi, qui arrivera du coup au mois de juin. Donc c'est vraiment dispatché sur de nombreux mois et c'est très cool de pouvoir se dire dans quelques temps on pourra accéder à tel titre dans la plateforme. Et je pense qu'ils vont continuer à se développer encore et encore, donc c'est une excellentissime nouvelle. Je suis très très contente pour les gens qui du coup ont créé manga.io d'arriver aussi loin, et je leur souhaite d'aller encore et encore plus loin. Bravo. Ensuite on a cette rumeur qui est tombée aujourd'hui, Fumble. L'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers aura-t-il un anime? J'espère bien. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur parce qu'on a découvert un enregistrement de domaine, donc tout de suite, forcément, c'est quand même une grosse rumeur. C'est-à-dire que c'est une rumeur assez concrète. Je pense qu'on peut l'espérer, pas pour tout de suite, forcément, parce que voilà. Ça va falloir attendre 2022-2023, mais voilà, je suis très très curieux de voir ce que pourrait donner le style de l'autrice en anime. Il va falloir vraiment une bonne production. Ah, derrière, faudra un beau truc, ouais. Un truc vraiment genre si Mushoku, le truc actuellement là. Mushoku Tensei. Mushoku Tensei a une réalisation de dingue alors que c'est un anime cringe. Et que la télévision sera le même niveau, ça me fera mal quand même. Mais Fumble, c'est simple, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a des nichons dans l'atelier des sorciers? Non, donc ça me rapporte moins d'argent que Mushoku Tensei. C'est voilà. La logique du nichon animé. Non mais il y en a plein, il n'y a pas de nichons, ça marche très bien. Okay. Ah, c'était du second degré, pardon, j'ai pas détecté, c'est ça. Demon Slayer, vous pouvez le sortir. C'était le seul moment où vous pouvez sortir Demon Slayer et que ça soit legit hein, pour une fois. Mais par contre, il y a des gens qui surveillent en permanence les domaines. C'est... Enfin, je sais qu'on peut mettre des alertes, mais quand même, ça veut dire qu'il y a des alertes sur tous les mangas, à peu de choses près. Et puis, franchement, quand tu vois la date. T'as des gens, c'est leur passe-temps. Hein. La date de création, c'est quand même le 10, quoi. Ça allait trop vite. Les gens, ils ont fait. On va prendre le nom de domaine, on verra bien. Vérifier les noms de domaine, les certifications, les annonces des.
Bah, c'est des gens, ils vivent de ça, écoute. Je rappelle que on avait eu la même chose pour Chainsaw Man. C'était parti d'une rumeur avec un nom de domaine qui avait été enregistré. Et quelques mois plus tard, on nous a annoncé un animé qui, évidemment, n'est pas encore là. Mais au moins, on a eu l'annonce officielle, du coup, en juin. Et ça, c'est très, très cool. Voilà, c'est très cool. Donc, j'ai bon espoir que ce soit une rumeur qui soit avérée un petit peu plus tard. Donc, voilà, des bonnes nouvelles. Et on continue et on termine même avec cette bonne nouvelle pour les news. Le Renard Café qui arrive très très bientôt. Donc c'est la collaboration effectivement entre le Renard Doré, qui est une librairie spécialisée sur les mangas que vous pouvez retrouver à Paris, et un de mes salons de thé préférés qui s'appelle Tomo. Ils ont d'ailleurs déjà deux emplacements à Paris. Il y en a un qui se trouve dans le quartier d'Opéra, le quartier bien bien japonais. C'est là où en général je me rends quand j'en ai la possibilité. Et du coup, voilà, ils vont collaborer ensemble. Donc deux enseignes que j'aime. Moi, j'étais vraiment très contente. J'étais contente. En plus, j'étais un petit peu au courant avant même qu'ils l'annoncent. Donc, j'étais trop contente quand j'ai vu les visuels, quand j'ai vu ce qu'ils avaient mis en place. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'infos parce que c'est encore à l'étape, on va dire, d'élaboration. Mais on a déjà une date pour l'ouverture. Ce serait en novembre 2021 et ce sera dans la rue Cardinal Lemoine, donc non loin du Renard Doré. Et c'est très cool aussi. On peut donc éventuellement aller acheter des petits mangas et aller les lire après dans le Renard Café en profitant donc de bubble tea, de nigiri et de pâtisseries japonaises. Vraiment déjà... L'ambiance, elle est trop bien. L'ambiance est déjà très bien placée. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui sont tentés pour aller le découvrir dans l'équipe du Mochi. Merci, évidemment. Mais évidemment, oui. Ça nous évitera d'aller dans la brasserie à côté du Renard Doré, qui était pas mal, hein, mais bon, qui manquait un peu de charme. Donc au moins, c'est demain, hein, novembre. C'est pour moi, c'est bien. Il l'annonce alors que ça va vraiment s'ouvrir là, dans même pas un mois et quelques. Et en plus, j'en ai plus. Ouais, c'est dans pas très très longtemps, mine de rien, novembre 2021. Bah oui. C'est plutôt que ce que je m'imaginais dans ma tête, tu vois. Je l'ai dit, je l'ai prononcé, mais là je prends conscience que c'est demain. Ouais. Waouh. J'espère que ce sera grand, parce que c'est vrai que le Renard Doré, c'est pas très très grand. Et voilà, c'est un espace à côté, ils ont dit. Donc... Oui, c'est ça. Mais. Alors, rue Cardinal de Moine, faut remonter la pente. Hein. C'est faut remonter, c'est derrière. J'espère que oui, parce que s'ils doivent se faire livrer, il faut les entretenir. Donc, il faut avoir de quoi entretenir dans des frigos, je pense, les pâtisseries diverses et variées. De quoi faire les bubbles, donc ça demande aussi de la place. Et ils disaient qu'on pouvait se poser, lire une sélection de livres qu'ils auraient choisis aussi. On pouvait ou bien lire nos achats, et il y aurait des livres posés dans les nouveautés ou dans les sélections des libraires. Mmh. Exactement. C'est dans l'idée. Il faut savoir que Tomo, en fait, que je vous disais, il y a deux emplacements à Paris. Le deuxième, a priori, il y a aussi un petit peu ce concept-là avec une sélection de titres manga et pas que manga, je crois. Donc ça rejoint vraiment leurs univers d'une manière parfaite pour l'instant. À tester dès que ce sera possible. J'ai vraiment hâte. D'ailleurs, dans le screen, il y a marqué suivre, mais je l'ai follow, en fait. Hein. J'ai fait le screen avant de cliquer sur follow. Mm-hmm. C'est pour ça. Évidemment, je follow. Évidemment, vous pouvez vérifier. Oui. Vous pouvez aller vérifier sur Twitter. Tout est vérifiable. Et c'est tout pour les news, puisqu'après, c'est les rappels habituels sur mon Tipeee. N'hésitez pas à soutenir, parce que sinon, en fait, on ne pourra jamais engager...